Nicolas Aubin, 29 ans, pilote officiel Amexio Suzuki, 3e des championnats du monde il y a quelques années, 2 fois sur le podium du motocross des nations pour l'équipe de France, champion élite 2 fois, vice-champion supercross cette saison. Super, c'est bien, ça fait un moment qu'on attend l'événement, donc voilà. Avec l'expérience et l'âge, on n'y pense plus trop à ce genre de choses. On essaye de se concentrer sur l'essentiel, la piste. Après, tout dépend de la place dans laquelle on se retrouve. Il suffit qu'on se retrouve devant et qu'on ait le public derrière nous avec un peu des encouragements, des applaudissements. 24 000 personnes, ça peut faire du bruit. Donc voilà, si tu te retrouves dans cette situation, ça peut être intéressant et compliqué à gérer. Mais si tu es dans le paquet, tu es concentré sur ta course, tu ne ressens pas trop le public. Pas superstitieux, j'ai juste un petit bracelet que j'enlève avant de rouler et que je donne à un de mes accompagnateurs, et sinon aucune superstition. Une bonne année en motocross, j'ai échoué tout près du podium et j'ai progressé après des années où j'étais blessé, ça faisait deux années blessé donc c'était compliqué. Et en supercross, vice-champion de France, c'était un petit peu inattendu et voilà, j'ai bien progressé dans cette discipline. C'est pour ça que j'arrive ici assez motivé et bien plus près que les autres années. Bon, hormis la blessure, pas grand chose finalement. Aujourd'hui, avec le team à gérer, pour moi, peut-être de temps en temps la peur de pas faire d'assez bons résultats pour représenter mes partenaires au mieux, mais sinon, il n'y a rien qui me fait trop stresser à part la blessure. Ma victoire en championnat du monde à Loquette, le seul Grand Prix que j'ai gagné. Voilà, grosse bagarre avec Antonio Caroli, grosse pression pendant 35 minutes et voilà, j'ai pas lâché. Et voilà, avoir tenu tête au patron du cross européen pendant avoir gagné un Grand Prix là cette saison, on n'est que deux à l'avoir battu, moi et Christophe Pourcel. Donc je suis assez fier de cette performance. Quoi. Rattray, il avait échoué, Tommy Searle, voilà, on avait mis énormément d'écart au troisième en plus. On était sur un gros rythme. On met le troisième à près d'une minute, donc ouais, c'est la course de ma vie, clairement, il n'y a rien à dire, c'est le plus beau souvenir. Voilà, on roule sur la mer, sur la plage, pardon, en bord de mer, il y a énormément de paramètres, le froid, la longueur, l'effort physique, très longue distance, contrairement à ce qu'on voit ici. Pour le moment, c'est pas un de mes objectifs, enfin c'est pas l'objectif prioritaire de la saison, mais je veux garder contact avec cette course parce que je sais que dans quelques années, je me concentrerai à 100% pour essayer de le gagner, donc voilà, je veux pas perdre contact avec ça. L'enduro du Touquet en début d'année, ensuite le championnat de France de motocross élite, l'objectif de gagner le titre, le Touquet un top 5 en étant opportuniste, chercher un podium, et ensuite le SX Tour, essayer d'aller chercher ce que j'ai pas eu cette année, le titre en SX DT. Ouais.